Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va tenter ce matin de reprendre l'expérience qu'on avait faite au lendemain du scrutin du 9 août dernier. Avec Pierre Espérance du RNDDH, Ronnie Desroches de l'ISC et de l'organisation Oxide, et Monsieur Poultre, Édouard Poultre du CONAN. Avec nos invités ce matin, on va justement partager les observations que chacune des organisations a faites au cours de la journée électorale du 25 octobre. Professeur Desroches, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. C'est toujours un plaisir pour nous recevoir à la métropole. Bonjour Wendel, moi je profite pour me saluer tout auditeur et téléspectateur de Radio Télémétropole et me saluer collègues Mayo et Édouard et Pierre. Monsieur Poultre, bonjour. Oui, bonjour Wendel, bonjour à tout auditeur et auditrice et téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. Et bonjour aux collègues de l'ISC et de RNDDH. Bonjour, Pierre. Bonjour Wendel, bonjour à toute équipe. Et Métropole là, et tout est fanatique et émission ça. Et bon, nous là pour nous faire un petit parler sur question élection. Alors, dans les coulisses, nous déposons nos questions, nous disons, avec tant le nom à l'antenne, nous avons posé des questions. C'est que ça me dit, que, étant donné que la dernière élection qui est faite là, et chaque organisation, pas ouais, au même genre, chaque monde a une façon de observer. Élection 9 août, là, dédié, est-ce que, fois ça, en ce qui concerne 25 octobre, est-ce que les violons se sont accordés? Et est-ce que tout le monde est d'accord et que l'élection a été bien passée ou a été mal passée? Sur le taux de participation, qui ça chaque monde relevé? On a commencé avec professeur Desroches. Bon, moi, je crois que pas rien, d'après ça, m'entendait des différences majeures entre constats qui faites par le consortium composé de NDDH, CONAN et d'autres organisations tant que SOFA, OCNO. Et ça nous-mêmes, nous constatons au niveau de OCID, qui est composé de jury média, de CVDH et de ISC. Je crois que tout le monde reconnaît qu'il y a une nette amélioration par rapport à ça qui est passé le 9 août, que ce soit en termes de sécurité, écoutez que nous voyons que la police a fait travailler davantage, que ce soit au niveau de l'organisation aussi des élections, parce que il y a un gros problème, n'est-ce pas, le mandataire pas capable de joindre 4 première fois face à... Il joindre 4, juste joindre peut-être 3 ou 4, n'est-ce pas, qui est capable de créer un autre problème. Oui. Et observateur tout. À profusion et à revendre. C'est ça, exactement. Observateur. Donc, je crois que le niveau d'incident tout que nous-mêmes nous constatons, n'est-ce pas, il est nettement diminué par rapport à ce qui s'est passé le 9 août. Quelle expérience? Bon, et nous sommes capables de constater que nous faisons jour 25 octobre, là, tu as une meilleure planification bon côté CEPA. Et CEPA a respecté délai pour question pour mettre le registre électoral et partiel à temps, un mois à l'avance. Et 4 pour mandataires et observateurs ont délivré dans un délai qui est raisonnable. Et puis, le gouvernement, fois ça, a décidé de la sécurité. Et la police a été présente. Et le 9 août, la police a joué un rôle. Qu'on va comprendre, on voit le spectateur. Et le 25 octobre, il était présent, il était bas sécurité. Donc c'est ça que fait nous capable de dire. La journée a été passée calme. Et par rapport avec tout ça et qui est arrivé le jour 9 août là, en termes de violence et intimidation, menace, et bon, c'était quelques cas isolés, mais vraiment, la police a été. C'est une meilleure planification, une meilleure organisation. Témoin avec Conan, est-ce que c'est même bagarre, bien que nous faisons partie de même coalition et qui sont satisfaits pour... Oui, nous pensons que c'était une nette amélioration
notamment même image de guerre qui était gagné et 9 août là, vous comprenez, on pas joindre même image là, ce qui veut dire candidat auto t'es gagné en amélioration dans comportement et en tout cas un comportement yo. Et donc tu as plus de civilité oui exactement parce que élection yo faut nous retirer dans tête haïtien c'est pas une guerre liée c'est pas la guerre qui gagne qui déclarée entre les candidats son compétition seulement liée vous comprenez et il est vrai que gagne de grands enjeux dans la question élection yo mais faut nous au moins rester avec civilité dans la question élection OK maintenant là nous dans journée meilleure planification, mon al voter, pas de trop désordre à souligner. Mais maintenant, à partir de quel moment nous commençons à recevoir des informations négatives par rapport au processus dans son ensemble? Alors, par rapport au scrutin dans son ensemble qui t'apprend en compte, si vous voulez, le moment où nous commençons à voter, il y a juste un moment d'épouillement. À partir de quel moment nous commençons à avoir des signaux drôles qui commencent à arriver jeunes, professeur Desroches? Bon, les signaux drôles, on joue ça depuis bon an matin. Depuis 6h15, 6h20, nous commençons à recevoir des appels, n'est-ce pas, de la part de certains de nos observateurs qui n'ont pas été capables de rentrer dans le bureau de vote. Pour qui ça? Parce que, quand il y a un président ou un superviseur qui dit que 4 n'ont pas de sous sous les 4 d'accréditation. Or, fois ça, CEP a pas mis sous. Il fait imprimer soi déjà au moment où il a imprimé 4 là. Mais malheureusement, bah, on a un problème de communication, problème de formation ou d'information. Quand il y a un président, un superviseur, pas de compte ça, qui dit ah non, si pas un saut, on va rentrer. Donc nous recevons un pile d'appels au point que nous sommes obligés de relayer certains conseillers électoraux pour nous signaler au problème là. Et au même temps, il y a une information. Que et pas besoin sceau puisque sceau a déjà imprimé dans carte là et pas de même place pour mettre sceau. On pense ça c'est un premier problème que nous avons rencontré dès 6h15, 6h30 du matin. C'est même question pour M. Paul. Ah oui, depuis très tôt le matin, nous-mêmes constatons le même. Par exemple, m'a dit Thomas Saint-25 côté mal voté. Donc c'est le premier but, centre de vote qui est passé là-dedans. Bon côté, il était fermé hier là, parce que tu as contrôlé le matériel électoral, il n'y a pas de comparer pour recevoir l'électeur. Donc il fermé barrière l'école là. Il y a Non, il y a un mandataire qui avec un mandataire qui vient avec toute équipe li, et puis on commence à écraser montagne là. Vous comprenez pour mon yo l'ouvrir. Heureusement la police quelques minutes après la police vini, li ouvri barrière, li enquêté etc. Mais depuis 6h du matin, 6h, 7h, on commençait à recevoir information. Maintenant, jusque dans la matinée, même, et ça veut dire à partir de 10h, 11h, on commençait à recevoir des informations qui sont inquiétantes, et notamment question reproduction, carte et observateur que vous faites, gagnant un candidat qui est avec un low carte observateur dans ma main. Un candidat Fausse carte. Vous comprenez, quand il photocopie et puis ou leur comparer lui, ou tout est que c'est des fausses cartes d'observateurs. Vous comprenez, et ou joindre pendant toute journée hein, des informations qui drôles, qui montrent que scrutin, quand même, malgré tes meilleures planifications, Jean-Pierre dit, malgré tes gains en plus grande sécurité, mais gagner en pile irrégularité. Tentation même pour porter atteinte au matériel électoral. Pierre Espérance. Bon, si vous avez commencé à jouer nous depuis samedi, qui paraît nous très inquiétant par rapport à ça qui a passé, côté que 4 d'accréditation pour certains organismes que CPA a accrédité pour observer l'élection, pour pas être chaud, et 4 mandataires tap vendre. Et juste scrutin, Jean et Edouard et Dili avec Oni Desroches. Et
te gon problème communication entre membre bureau yo et personnel bureau yo et dans centre de vote yo et CEPA. Gen tout ensemble de mesures que CEPA prend semblé yo même yo pas connaine. Par exemple, gen question 4 yo qui yo exige pour organisation yo mettez ça sur yo ou bien parti politique yo te mettez ça sur yo. CEPA pas exiger ça. Et CEPA et retirer question pour organisation pour qui nous observation pour Témayo ou river dans un centre de vote dit mais côté Mayo d'observation ouais donc là son problème est communication donc si journée j'en ont dit li passé dans calme et CEPA te fait une meilleure planification mais pendant journée ça te gon vaste opération de fraude massive. On va l'expliquer qui ça. On va exagérer. Ah non, j'ai dit tout. Écoute, et on mandaté voter plusieurs fois dans le bureau de vote. Observateur voter plusieurs fois. Et ça nous pas arrivé comprendre. C'est comme quoi en dans CPA gagner ça nous un laboratoire qui produit et organisation bidon pour bayo accréditation pour observer l'élection. Par exemple, dans le premier tour et législatif et 9 août, dans le rapport que nous fait sortir, nous avons dénoncé plusieurs organisations qui ont 24 d'accréditation. Et CEPA, elle me dit, nous, je pense que l'autre organisation fait le tour, même si vous pas fait peut-être publiquement, mais vous partagez l'information avec CEPA. CEPA écarte l'organisation, ça. Mais vous venez avec de l'autre organisation. Il y a des organisations qui, première fois, qui pral observer l'élection, qui mande 7000 accréditations. 7000. Pas de aucune organisation, sous pas dans un consensus, qui, même sous son organisation, qui a une longue expérience dans l'observation, pour besoin 7000 observateurs, une seule organisation, et pour gérer 7000 observateurs. C'est complètement difficile, parce qu'il faut grand pile moyen, même les... Non, alors, ça me besoin qu'on ait pour les auditeurs et téléspectateurs, Pierre, c'est que fraude ça a eu, orchestré par des mandataires et des observateurs. Ah oui, mais bien sûr, avec complicité tout, et mon bureau de vote. Mon bureau de vote. Oui. Mon bureau de vote, et puis, bon, je crois que ça pour nous retenir, bon, intelligence dans CEPA qui crée et problème ça, et nan fourniture 4 observateurs, nan fourniture 4 mandataires. Comment se fait-il que CEPA pas cap et connaît que le pas cap recevoir tout mandataire ça dans chaque bureau, mais le délivrer ou comprendre 13000 cartes. Donc là chaque... nous automatiquement accuser CEPA dans bon, ça. Bon, écoute, moi m'a mettre un petit bémol tout petit et dans ça sous question et mandataire pour et candidat à la présidentielle pour le candidat. CEPA te dit que et là-bas, chaque candidat à la présidence, environ 13 500 mandataires. Mais Wendel ne va pas prendre rien, il y a un bon candidat à la présidence qui n'a pas de capacité pour gérer 13 000 mandataires. Et ça qui vient de jouer, c'est que le candidat à la présidence, ou bien parti politique qui a plus de moyens, il a acheté mandataire. Yeah, donc son marché, son trafic. Son marché, il a acheté le galoté. Oh, laisse ça. Si vous êtes capable de minimiser la question de responsabilité CEPA, mais dans le cas observateur, ça c'est responsabilité CEPA. Donc ça veut dire que Cartio, il n'est pas personnalisé. Et oui, ah, mais justement, Cartio, il a écrit non, il y a non. Prénom, signe. Non. Quatre là, il n'y a pas. La dani non parti politique là. Quatre la gen non organisation d'observation. Kounya yo ba ou quatre la. Non mais comment faire vanni à un autre parti politique? Ah mais justement, Léo vanni moun nan vini avec quatre la, li entre comme si li c'est li gon quatre mandataires et un exemple fusion et puis kounya gen droit wèl nan centre et nan bureau de vote ou bien nan centre de vote là et pour et qui a mis la poupon. Ouais. Et
pas aucun problème dans ce sens-là. Alors ça nous doit peut-être préciser pour Wendell et pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est que vous mettez non soit organisation d'observation, soit PATIA, mais c'est organisation ou bien PATIA qui pour mettre non mon nom, mettre numéro signé, etc. Vous comprenez? Donc, Katla, il n'est pas déjà personnalisé entièrement les livres au livre. Okay. Et là, il y a un petit problème. Et selon le décret électoral, le mandataire pour délivrer et carte pour mandataire, c'est sous base signé. Alors que dans le cas, c'est CPA lui-même, il bail parti politique yo, et candidat yo, et mandat yo, sans tenir compte des de signes et moun yo. Donc, ça, il y a une vaste opération et magouille et fraude. Côté que j'aimerais dire, jour et 25 octobre, là, dans le matin, 4 à 20, entre 1500 gouttes jusqu'à 2000 gouttes. Alors, il faut nous aller à la racine du problème. Moi, je crois que 9 août, tu as pile plainte selon lesquelles. Gan pile parti politique qui pas de mandat on prend pour mandataire yo pas de carte d'accréditation donc résoudre le problème on dit on a résolu n'a prévoit 13 000 pour chaque parti politique 54 partis politiques 54 candidats à la présidence etc. Mais la solution, le remède est peut-être pire que le mal. Parce que tant qu'au Pierre Sodili, on a 13 000 cartes dans mes lits, et ce sont parfois des candidats à la présidence qui n'ont pas même gagné 13 000 peut-être partisans. Au moins, donc ça et puis le cartes là, on a même, faut liquider. La monnaie, et puis la font comme tout. Et dans plusieurs cas, autant de candidats à la présidence, on dit, responsable parti a pris comme avec quatre là. Et il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mandat à candidat. Donc, mandat qui s'est revendu, il y a le vendre sous marché. Et qui est-ce qui a acheté? C'est le monde qui est moyen. Alors, Wendell, moi, je profite de l'occasion pour nous dire que la solution au problème, ça, c'est qu'il faut que la société travaille pour capable réduire le nombre de partis politiques. Nous pas capable de gagner 54 candidats à la présidence. Non, mais 54 partis. Vous avez 54 candidats pour pas gagner 54 partis politiques. Non, mais vous avez 166 partis politiques. Ce que je veux dire, ça veut dire que il y a un certain nombre d'organisations, de monde, de leaders qui doivent travailler ensemble pour créer quelques grandes forces politiques. Que ce soit 3, 4 ou 5, même 6 grandes forces politiques qui représentaient des orientations politiques. Tant que, n'est-ce pas, nous pas travaillons sous ça, eh bien, nous parlons de prolifération, ça, et nous parlons toujours en désordre. Monsieur, nous parlons de pause là. Là, nous tournons, éventuellement, nous retournons pour nous voir qui rôle société civile organisée, en tout cas. Parce que nous croyons que nous avons rencontré KEP dans différentes rencontres qui étaient faites avant l'élection. Qui ça? Nous-mêmes, qui nous a aidé tout, si d'aventure, on a fait appel à nous-mêmes en tant qu'organisation. Et deuxièmement, nous parlons les réserves exprimées, les craintes aussi, pour le respect, je dirais, des votes exprimés. Et bien, on a fait ça après pause là. Dans la conférence, nous avons dit que chaque monde a quelques remarques, que vous faites, quelques réserves, des recommandations, vous faites une là déjà. Et pour empêcher que pile parti politique qui, à l'origine, a à la base tout ça qui est prolifération des candidats aux élections. Maintenant, pour un petit souffle, juste le temps pour nous observer pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, monsieur Espérance, Pierre Espérance du RNDDH, Édouard Apoltre du CONAN, le Conseil national des acteurs, le Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Et le professeur Winnie Desroches. Avec eux, on parle du scrutin du 25 octobre. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous arriviez à l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce que nous avons besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé le terrain dans le monde entier.
nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là, je dis à même dans MSC Plus, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Allô directeur, m'a parlé le Kounia, oui. Bonsoir, voilà avec moi. Ajoute-moi la pièce, ça va bon, non? Ah bon? Comment j'ai fait ça quand même? J'ai senti ça. Bon, faut d'abord c'est pita pour te cobla pour moi, demain m'a l'acheté. Mais non, bonsoir, m'a voué cobla. Kounia sur téléphone avec mon cash. Pour lié avec mon cash, ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou ap en unique fait un compte mon cash sur téléphone Digicel ou, et puis même côté a, téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou ak yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour ka voye l'argent bay moun ou vle, lè ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voye ak recevoir l'argent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Nous pas perdre du temps à entrer dans la question et avec nos invités, Pierre-Espérance, Edouard Poltre et Ronnie Desroches. Et nous, avant de parler de menaces ou de préoccupations, si vous voulez, que nous gagnons et par rapport à résultats qui parlent sautillot, tendances qui expriment yo, qui rôle nous pensez que nous-mêmes qui fait partie des organisations ou du moins de sociétés civiles organisées, qui rôle nous capables, nous sentir que nous capables de jouer à l'avenir pour éviter problèmes yo, continuer à poser chaque fois qu'il y a une élection. Pierre, Espérance. Bon, moi je pense que d'abord faut que nous travaillons, faut que nous gourmions pour institutionnaliser et institutions nouveaux. Par exemple, il faut qu'on ait un système électoral en permanence. Côté que, et pas à chaque fois qu'il y a une élection pour gagner un CEP, pour aller gommer, pour former un CEP. Il faut que le système nan, là, même gens dans tout pays, qui dit qu'il y a un état de droit qui a gommer pour la démocratie, il faut que le système là existe. Et puis tout, il est inacceptable pour l'élection à côté, tout comme ça, et en Haïti, il faut ou un système qui peut permettre que une élection fait et puis dans 24 heures 48 heures résultat bail pour éviter toute tractation pour éviter manipulation et moi quoi dans sens ça faut que nous on travaille avec le prochain gouvernement avec le prochain parlement qui pourra un parlement qui est extrêmement compliqué et par rapport avec un banan paquet et monde qui vient passer douter pour implication dans crime faut que nous travaillons avec eux pour et mettre et parlement mettre et c'est CEP permanent et en place pour éviter tout retard dans élection pour élection pas faite selon caprice et autorité et qui sous pouvoir. On dit que monde qui vient passer douteux et bon il y a un parlement qui parle extrêmement compliqué pour me répéter au et c'est même j'ai aussi des pour mon un endroit confort quelque chose pour toujours continuer la donne. Donc maintenant lorsque un monde qui est un endroit qui vient prendre gros pouvoir maintenant qui sous pouvoir pense que le pas faciliter travail pour mettre un conseil électoral permanent or grand pile monde qui pensait que ça que nous pas jamais gain conseil électoral permanent et en même temps tout vote électronique qui va résoudre un série de problèmes c'est parce que nos politiciens voulaient que nous restions dans pratique traditionnelle yo qui bon possibilité pour faire même mise sur appareil électoral, manipuler bulletin, faire fraude. Donc système en place là je dis en favoriser ça. Vous pensez que avec une législature des monde qui parle pour la première fois goûter prend goût dans pouvoir, vous pensez que tâche pas facile pour vous autres qui gagnent une vision mais qui j'en pour ça la fête mais qui ça la de fête. Les pas difficile, les pas extrêmement compliqué, faut que nous reconnaître ça parce que en pile monde qui a entré dans parlement, c'est des gens qui cherchent une immunité. Et il est clair que l'élection 9 août a causé un pile préjudice à gens
qui pas utiliser violence, qui pas utiliser fraude, qui pas utiliser zame pour gagner élection. Bon, c'est par rapport avec comportement et CEPA et gens et autorités ou certaines autorités et influencer et processus là. Mais de toute façon, l'important pour nous gagner, pour nous travailler avec des monde tout ou bien des monde quand même qui voulait institution qui changer. Pierre, et pour capable bon CEP en permanence. OK. Et Edouard Paul, souvent mon yo gain tendance à accuser conseil électoral là. Dit que c'est lui même qui pas mettre balise, c'est l'équipe qui fait si élection mal passée, c'est lui même, c'est eux-mêmes. L'élection bien passée, c'est eux-mêmes tout, mais toujours à chercher un bagage pour accuser CEP. Il y a des gens qui pensent que c'est pas CEP qui fait que grand pile candidat qui était pas bien compliqué travail CEP. Comment problème ça dans le supposé qu'il résout qui sont en pile candidat. Et moi-même quoi que effectivement nous besoin de tirer les leçons de ces 30 années depuis que n'a fait élection, depuis que n'a initié démocratie en notre pays. Nous pas capable à chaque élection il nous dit que ils sont au pouvoir de transition qu'a vini sont et ça pas normal. Vous comprenez? Mm-hmm. Et moi quoi que faut nous tirer les leçons et gagner des fautes. C'est CEPA qui la cause. Gagne des bagailles, c'est hérité l'hérité. Question éclatement politique qui gagne. 54 candidats à la présidence. Combien partis politiques qui enregistrés? Combien milliers de candidats? Là, à Saint-Domingue, l'année dernière ou bien dernière élection, c'est 10 candidats qui gagnent à la présidence, autant me rappeler moi. Et on pays pas cap marcher comme ça. Démocratie n'a pas fonctionné, il pas fonctionné comme ça. Nous avons besoin de mettre l'ordre dans le système politique, là, dans l'accréditation aux partis politiques, dans diverses expressions politiques qui gagnent dans le pays. Là. Et si nous sommes capables de regrouper, Jean-Professeur Desroches dit en 3-4 grandes expressions politiques, 5 grands mouvements politiques, nous croyons que c'est une solution pour nous chercher. Mais Jean-Pierre Dilly, bon timing. Bon timing avec élection ça aussi élection ça yo permettre que nous réussi sorti avec des élus qui pas contestés. Vous comprenez? Mm-hmm. Si lui permettre que nous sorti avec ce qui est très difficile. Hein? Ce qui est très difficile. Non. La difficile en Haïti pour jeunes des élus qui ont pas contesté. Non et si élection yo Par exemple, dans l'élection nous gagnons là. Si CEPA font manœuvre, vous comprenez, pour communiquer des résultats et disons partisans, vous comprenez, il pas respecter sincérité vote là. S'il fait li, n'après rien des élections contestées. Mais si li traité avec Jean-Noël Mandel le traité là et retirer et vérifier combien mandataires voté plusieurs fois ça technologie observateur tout et technologie a permettre que vous faites vous comprenez si les mettez les procès-verbaux qui sont en quarantaine attends s'il permettait que il fait transparence sur les procès-verbaux que le mettait en quarantaine ça va permettre que et communiquer des résultats qui respectaient plus ou moins le vote. Notamment l'impression comme si que c'est un autre pays, son autre Haïti et son autre réalité. Mais moun sa yo même en faveur de qui fraude la te faire la platou leur retirer parce que c'est des votes qui empreintes de fraude intérêt pas vinn léser parce que le défin gétan qu'on est que mais comme elle gagne li pas contester li pas contester action ça li pas dit que li pas dit que mais yo fait perdre vote li tout mais on fait Wendel nous dit clairement que 9 août là t'es mal passé et résultat 9 août yo Jean Obaïla li crée li bail des problèmes. Kounya nous na 25 octobre.
nous goumen, nous bataille et nous dit faut que tu gagne CEP et nous dit faut gagne élection qui fait pendant l'année 2015 ans pour renouveler personnel politique là. 25 octobre la fête, il était plus bien organisé, mais pendant jour nous avons une vaste opération de fraude. Eh bien, et procès-verbaux rentré dans cette tabulation et il y a un paquet de monde qui votait et surtout les mandataires et observateurs qui votaient plusieurs fois. Et pour voter, il faut un procès-verbal qui adressé et c'est une dans sens ça nous et pour raison ça nous exiger et CEPA pour les vérifier en présence et observateurs et partis politiques ou bien candidats qui concernés et tout le monde qui votait sous liste d'émargement et sous procès verbal. Donc l'ensemble ça ou capable ouais et qui désordre qui fait parce que qui s'est passé taux de participation il était faible même si ils ont dit un plus élevé que 9 août mais il était encore faible. Bon, et il y a monde qui dit 30%, nous même nous dit c'est 25% lié. Bon, maintenant là on taux de participation faible comme ça, tout le monde qui fait un faux 2 3 4 5 fois l'a causé des préjudices à l'autre candidat. Donc totalement la pierre. Oui. Et 25% selon vous même et 25% tout. Oui. Vous allez voir. Même nous fait un calcul assez scientifique qui baille deux résultats. Yon c'est 29% pour qui ça parce que nous prend monde qui signait liste d'émargement sur nombre de monde qui sous liste d'émargement. Ça baille 29%. Et nous prenons l'autre calcul, c'est-à-dire toute voix qui exprimait, vote qui exprimait, c'est-à-dire monde qui était voté sous liste là, et monde qui, par exemple, soit des mandataires, des observateurs ou bien des membres de bureau qui votaient là tout, mais qui pas sous liste là, qui sous, ça aurait les listes d'exception. Nous prenons ça, nous divisons par le nombre de monde qui sous liste là, il y a 32%. Donc, ce qui signifie que pour nous-mêmes, il y a autour de 30%, n'est-ce pas, entre ces deux éléments. Maintenant, on avait... Oui, enfin bon, par rapport à la question que vous posez à comment pour nous enfin, résoudre le problème, ça, etc. Wendell, il faut nous reconnaître que dans la culture politique haïtienne, non, eh bien, en plus, le monde qui fait politique, ils ont utilisé deux moyens pour souvent arriver au pouvoir. D'abord, c'est la violence. Pendant très longtemps, ils ont fait des armes qui ont tiré, carco, piquet, etc., insurrection. Et je dis, depuis que nous rentrons dans un processus un petit peu démocratique, c'est la ruse, souvent la fraude, n'est-ce pas, que nous avons utilisé. Eh bien, moi, je crois que nous sommes dans le 9 août là, en pile organisme d'observation, opinion publique là, la presse, tout le monde levé campé contre violence qui était faite, qui n'est pas normale. Maintenant, je dis, il faut que nous montrions extrêmement vigilants par rapport à la ruse qui est aussi un ZAM que politiciens haïtiens a pu utiliser pour être capable de gagner le pouvoir. Que ce soit au niveau du centre de tabulation, comme Pierre-Édouard Sodivi. Maintenant, comment contourner la ruse des candidats, des partis politiques? Bon, et vous ne pouvez pas oublier que... Non, à l'avenir. Mais pas oublier. Moi, pleine et période électorale, je pensais que c'est pour nous insister sur 25 août là, parce que 25 octobre là, c'est 25 octobre là, là nous dit globalement, il est passé bien, mais il n'est pas fini. Oui, donc, non, pas de problème. Mais maintenant, si ruse, il existait, et c'est lui-même qui a à la base, c'est son méthode, si vous voulez, ou encore on pratique. Pour arriver sous pouvoir. Ça qui peut permettre de lutter contre USA, c'est la vigilance à tous les niveaux. C'est pour ça que l'organisme d'observation est obligé vigilant à tous les niveaux. Que ce soit pendant le transport. Combien de temps nous allons faire pour être vigilant? Oui, bon. Et naturellement, il y a des moyens qu'on est capable de court-circuiter. Bah, par exemple, moi-même, le m'a réfléchi, moi, je pensais que définitivement, sous besoin éliminer en pile intermédiaire et en pile moyen pour frauder, etc., c'est le vote électronique. Ça, au moins, vous comprenez, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, nous pesons bouton, vous comprenez, à partir du moment où machine là identifiée, soit à partir de carte ou bien à partir de pouce, etc., de données biométriques, vous reconnaissez son électeur qui est inscrit, vous pesez bouton,
tout de suite vote est enregistré. Le parti politique a dit que c'est des appareils déjà programmés. Non, mais écoutez, je dis à moi, une technologie capable de nos possibilités pour nous vérifier ça. Ou capable, chaque parti capable de gagner, il y a un technicien qui est capable de vérifier ça, si l'application est correcte, etc., etc. Et je dis, il faut que vous ne pas dire que la population haïtienne n'est pas capable d'utiliser l'électronique. Je dis, nous avons 1830 observateurs, c'est à travers mon cash que nous payons. Ça nous oui, non, non, cela dit que ça veut faut... dire que gon belle avancée technologique. C'est ça, parce que tout le monde utilisait téléphone et même smartphone pour exemple. Donc vous pensez que votre électronique là permet de nous résoudre en pile problème. Et ça, d'après nous-mêmes, d'après vous autres, ça fait que toute expérience, toute tentative qui est faite pour ça, il rejette. Il va jamais passer. Moi, je crois qu'il faut qu'on plaidoyer qui fait. C'est-à-dire qu'il faut que d'abord, en pile organisation dans le pays, convaincu que c'est la solution. On connaît un certain nombre de partis politiques qui sont convaincus que c'est la solution. Il y a un certain nombre de partis politiques, mais pas oublier que l'élection, c'est pour eux, au premier chef. Oui, oui, d'abord, c'est pour eux. Oui, mais et si dans la majorité des cas, et professeur Desroches, dans la majorité des cas, c'est toujours, c'est souvent des partis politiques qui disent que ce sont des appareils déjà programmés. De l'extérieur, il y a peut-être un dit, mais qui est le président. Donc, c'est vrai que tu n'as pas jamais avancé avec. La solution au problème, il faut que gagne une masse critique de monde dans la société, y compris dans l'opinion publique haïtienne, qui voulait que Bagayo passe correct, que Bagayo passe droite. Je crois que grand pile monde aujourd'hui qui a souffri de ça, souvent, il chita la caillou. Parce que vous ne voulez pas appuyer aucune mascarade, comme ça, etc. Même quoi que monde, il faut que nous commencions à regrouper pour que vous fassiez poids, n'est-ce pas, mettez poids dans la balance, ça, pour que ce n'est pas vagabond, dealer, drogue, monde qui est en contrebande, qui prend en otage le processus politique. Nous allons passer rapidement à la recommandation. Pierre Espérance, Ronnie Desroches, Edouard Poultre. Mais là, nous sommes toujours dans 25 octobre. Le 25 octobre, résultat par le Sotillo. Et nous attendons le professeur Desroches qui a exprimé des réserves et des préoccupations. Est-ce que ces préoccupations sont les mêmes chez vous tous, responsables d'organisation? Bon. Est-ce que nous croyons qu'il y a une possibilité de magouiller les résultats qui a le Sotillo? Oh oui. Les fêtes et 9 août, il y a un résultat qui bat côté que. Et des mouns qui est li, et résultat ou pas correct. Il y a des mouns qui allaient dans BCD et BCN qui ont raison qu'ils sont capables d'aller dans le deuxième tour et puis CPI et KTO. Et quand même, il y a des problèmes. Résultat et élection 9 août, que CPI a été publié le 27 septembre, résultat définitif. Li pas mette nous-mêmes en confiance pour nous dire que tout bagay a passé bien. Nous dit journée hein, et au niveau de planification, sécurité, li était bien, mais te gen pile fraude, c'est une vaste opération fraude pendant journée. Donc, vous croyez que votre populaire n'est capable pas respecter? Pour les respecter, faut sans tabulation, il faut que CEPA l'ouvre les oreilles pour lui tendre toute recommandation, toute critique et toute dénonciation qu'a faite et pour documenter. Mais pas dans la logique annulation élection 27 octobre. Écoutez, si nous ne pouvons pas demander annuler 9 août, nous ne sommes pas capables de demander annuler 25 octobre. Il y a une possibilité pour lui corriger. Et vaste et fraude qui t'est faite, qui va le corriger? Eh bien, c'est la transparence qui vous fait. Dans cette tabulation, il y a vérifié tout problème. Regardez mon exemple. Regardez rapide. Taux de participation était faible. Mais, et Wendell, si dans un bureau de vote, il y a 150 votants, et puis pour joindre 75 personnes là-dedans voter sous procès verbal. Un problème, 75 mouns sous procès verbal, c'est à mandater avec observateur. Pas qu'à gagner 75 observateurs avec mandaté qui est rentré dans le centre de vote pour voter sous base et procès verbal. Et
Kounia, si yon moun vote plusieurs fois, il y a pour ouais qu'elle vote plusieurs fois. Mais nous dit faut que ça fait avec transparence parce que par rapport avec toute suspicion qui vient sous processus électoral là, gens exécutifs là rentrer dans processus là, gens ont déséquilibre dans processus là et par rapport avec toute faute ça que nous constater jour et 25 octobre là, faut qu'on y a CEPA accepter qu'il fait qu'il reste processus là li menel avec transparence. Merci Pierre Espérance. Edouard Poultre, préoccupations les mêmes ou bien sauté par rapport à résultat qu'a sorti autour. Oui, absolument. Et Pierre saute parler de premier résultat qui était bail et après 9 août et moi crois que professeur Desroches gain même préoccupation autour, c'est des résultats qui montré un gros problème de cohérence en dans CEPA dans mode de calcul que chaque et circonscription adoptée et au niveau surtout c'est la sénatoriale. Mm-hmm. Maintenant il rappeler cas par exemple Maniche et côté et grand candidat que BCED prend et décision pour lui et BCEN prend décision en sa faveur et puis CEPA ignoré. Est-ce que CEPA pas gain pouvoir ça, gain pouvoir ça ou pas gain pouvoir ça. Li caché derrière. Écoutez oui, CEPA caché derrière on a fait de ces décisions en tribunal prend et décision pire haute instance tribunal li prend par exemple pour cas et l'Artibonite avec l'Ouest. Li cacher des décisions ça et puis pour Maniche avec Campérin li ignorer décision BCEN donc deux poids deux mesures donc deux poids deux mesures li changer décision BCEN et ça c'est nous gain document oui nous gain document tout document nous gain document donc CEPA attends CEPA il faut au monde gain suspicion sur motivation gagné dans prise dans communication résultat. Est-ce que c'est des motivations partisan, ça veut dire, est-ce que c'est selon candidat et puis il fait le passer ou bien selon candidat il fait le couler. Donc ça, son gros problème lié et CEPA a besoin de garantie que 25 octobre va passer différemment. Si CEPA pas mené ce processus avec transparence, le pays après le déboucher son crise post-électoral. Yeah. OK. Oui. Pour ça, Desroches? Oui. Alors, selon moi, il y a deux instances nous devons être extrêmement vigilants par rapport à eux-mêmes. Centre de tabulation. Hein. Parce qu'il y a un petit groupe d'avocats qui est là pour contrôler pour ces verbales. Moi, ça, il y a un paquet de pouvoir. Parce qu'ils sont capables de décider, n'est-ce pas, ils ont écarté un procès verbal, n'est-ce pas, ils ont décidé pour garder dans l'autre, sans qu'on ne connaît exactement pour qui ça. Et nous avons parlé de Maniche Campérin, mais pour Maniche Campérin, justement, ils ont pris même procès verbal là, ils ont accepté le pour Sénat, et puis ils ont rejeté le pour député, parce qu'ils voulaient écarter, n'est-ce pas, un candidat à la députation. Ça, c'est le premier bail là, il faut faire. Et nous voulons signer à l'ombagay, Wendel, et pour le public là tout, c'est que liste d'émargement que membre bureau de vote est censé mettre dans l'enveloppe là pour voyer l'ensemble de tabulation, il y a un code barre là donne. Si vous utilisez appareil code barre là, il y a pour le barre au numéro signe mon photo signe mon signature mon nom. Ce qui signifie qu'il faut capable vérifier si le nombre de monde qui votait est effectif par rapport à ça, dit monde qui votait. Ça, c'est première instance. Deuxième instance, ça, c'est instance de contentieux. Parce que le monde, ça a un paquet de pouvoir, en ce sens que yo capable, le peuple a fini voter, n'est-ce pas, yon monde, n'est-ce pas, et puis eux-mêmes, ils ont décidé, soit à partir de mode de calcul, soit pour l'autre raison, ils ont écarté. Mounsaïo, vous comprenez, par exemple, ou après le 9 août là, BCEN, ils ont ignoré même des résolutions prises par le CEP en ce qui concerne le mode de calcul, et puis ils ont voyé tel candidat au Sénat monter comme élu pour sénateur. Bon. Donc ils ont un pouvoir discrétionnaire terrible. Moi-même, moi, quoi que bagaille, ça, il faut que vous mettez l'ordre là-dedans, parce qu'autrement, tant qu'on peut se dire tout à l'heure là, si le
problème ça va pas résoudre, eh bien on pourra déboucher sur une crise électorale qui est capable très préjudiciable pour le pays. Bon, messieurs, ma première c'est nous allons faire un petit exercice tout petit avant que nous allions parce que nous sommes au-delà de l'heure et même vraiment quelques secondes de réponse. Pierre Espérance, ma propre c'est responsable RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Humains. Tu as pile annonce que des responsables d'organisations et de partis politiques t'ont fait. Ils ont dit que 25 octobre, il y a une réédition de Ruel Vaillant. Il n'y a pas le tête en bas, mais ce n'est pas ça que fait. Qui message, en quelques secondes, nous avons envoyé à ces porteurs de messages, disons de ce mauvais message, ou encore prophètes de malheur ou oiseaux de mauvais augure. Premier et message là, c'est demander aux autorités qui concernent dans le processus électoral là, respecter votre population. C'est pour respecter lui et c'est pour tout ce processus là, et vous faites avec transparence, pas faire coup de mal taillé, Jean Otefel, 9 août là. Maintenant, si vous faites ça, vous êtes là, la force publique et la justice, faut que vous assumiez responsabilité. Mais si moun yo, et par rapport avec ça qui passe le 25 octobre, il y a un problème, il n'y a pas corrigé et puis il y a piqué devant, et bien nous dit pays a pris un problème, il y a une crise. Donc, c'est l'institution qui là qui pour la réponse. 25 octobre passe bien parce que la police a fait travail. CPA fait progrès sur le plan administratif. Et on partit dans la population, fait travail tout. Oui, on partit. Mais écoute, c'est l'institution qui pour bailler les temps. Lorsque 9 août, depuis 6h du matin, on prend Radio Métropole, on prend n'importe quelle radio, on a des problèmes, et mon azam, etc. Et puis la force publique, par exemple, pas jamais réagi. Et bien, le jour n'y a pas si mal. Ça arrive, on l'a tout, et puis même si il y a un problème, Radio Badili. Yes. et pour ça. Non, c'est important. C'est important. Radio, c'est dit avec les oreilles et population. Moi-même, les m'ouvrir radio et 25 octobre, je vais quitter la caille Bonnet et puis je vais attendre des notes positives. La police présente, etc. Et il y a un bagage CSPN a fait, et sous le leadership premier ministre, ils ont mis des caméras dans certaines zones dans le pays qui permettent qu'il y ait une série de bagages. Et ça, c'est des bagages qui sont importants. Mais qu'on y a, si vous avez volé votre population et vous n'avez pas fait bagage avec transparence, les gens qui votent mal, et bourrage union pas écarté ça yo laisse ça nous-mêmes nous pas capable à demander et pas capable à faire appel à la population. En pile mon accusé la police nationale première fois qu'elle était passive, mais pour qui ça dégage pile mon été arrêté Edouard Bolt mais yo la gué tout oui sans procès sans rien. Oui, yo la gué tout. Non mais la police arrêté, mais c'est pas la police pour qui libérer, c'est la justice. Et mais la police l'a gayo et puis la justice libérée sans aucune forme procès. Donc tous les dit la police fait travailler. Tous les non pas fait ça. Écoutez, non, non pose aux questions. Non, il pas fait travailler. Le 26. Non, la police non, a arrêté. Non, pas le 25, non, mais le 9 août. Si on t'a arrêté mon. Mais gagne des situations la police arrive, elle pas capable arrêter les populations a fait pression sur la police, il dit faut faire travailler. Ils font bagaille. Mais ils pas de présent dans centre de vote. Non, c'est clair, c'est évident. Oui. Mais même question maintenant c'est que si on t'a arrêté ou l'autre structure dans l'État qui l'a gagné, mais est-ce que nous avons gagné toute responsabilité à sous la police? La police n'a pas fait travail. Le 9 août. Oui. Et le 25 octobre, il a fait travail. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, là, après 25 août, là, nous devons attendre que nous devons nous arrêter? Après 25 octobre. Merci. Après 25 octobre, là, il n'y a pas lagué les gens qui ont été. Il a commencé. Sans aucune forme. Il y a des gens qui ont pris un flagrant délit et que la justice commence à libérer sans sanction, sans aucune forme de procès. Donc est-ce que là encore, est-ce que c'est la police qui est responsable? La justice. Ok. Non, mais c'est un plus gros problème au dans le système électoral là, c'est l'impunité. Roman, yo joine mon a fait bourrage, yo pas arrêté personne, ou bien si yo arrêté lui, yo lagué le lendemain. Roman, yo joine mon en dans machine électorale là qui foudé avec l'autre, en complicité avec yo vague sur ça. C'est son système qui Roman impunité à garantie. Monsieur Desroches, pour qui ça nous à mesure toucher la plaie du droit, mais et rarement, on va parler de la justice dans le poche qu'a fait, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est vrai. Mais cependant, moi, je pense qu'il faut que nous mettions pression sur la justice, tout, parce qu'il y a une responsabilité énorme dans le processus-là. Si il y a des bagailles anormales qui passent, c'est eux-mêmes qui pourront le faire constat. Et si il y a tout, des gens qui prient en flagrant délit, eh bien, il n'y a pas de responsabilité. N'est-ce pas, il n'y a pas capable de laguer. Mais par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure, les gens qui étaient annoncés, catastrophe, ou El Vaillant, etc., nous avons deux messages, n'est-ce pas, nous sommes capables de dire. Premièrement, c'est que potentielle violence là toujours là. Il faut nous par quoi que l'y écarter. Hein. Ça va dépendre de la façon dont le CEP, dans toutes ses instances, centre de tabulation, instance contentieuse, gérer question. Si on gère le mal, violence est capable de toujours éclater. Deuxième barrière que nous sommes capables de dire, toute organisation ça, qui peut être très déçue de la façon dont les choses se sont passées le 9 août, eh bien, moi-même, ça me t'a recommandé. Dans pile là, qui a un pile affinité du point de vue idéologique, du point de vue orientation politique, mettez tête ensemble pour yo vini avec une offre politique, n'est-ce pas, et une certaine unité pour mieux structurer la vie politique haïtienne. Monsieur, je connais que avec trois mondes ça qui là, c'est des mondes pas aucun problème pour sauter là à midi. C'est émission on tape capable arriver là, mais monsieur, non pas ça dit. Moi je veux dire nous gagnons pile éléments, nous gagnons pile nous gagnons pile monde qui représente nous gagnons pile information dans main nous que nous d'bien aimer partager. Et que espace-temps trop petit, mais n'a fait de façon périodique. Et après chaque grand événement, et, bon, évidemment, nous connaissons que nous parlons faire des jaloux, mais auditeurs qui comprennent, monde qui est habitué à répondre. L'oreille est la veille, et puis on dit pas de problème, ma pleuve est bonne pour me bénir. Donc, on est obligé de faire une petite priorité. Rendez-vous 29 décembre. 29 décembre. Merci, messieurs. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre Espérance du RNDDH, Édouard Poultre du CONAN, Ronny Desroches de l'IAC et de l'OCCID. OCCID. OCCID. OCCID, Observatoire Citoyen, l'institutionnalisation de la démocratie. Voilà. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.